Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter le numéro 13 de la maison de poupée. Donc, qu'est-ce qui se cache dans ce numéro 13? Alors, on a dans ce numéro, attendez, hop, on a reçu ça. Donc, l'autocollant pour le placer sur le plancher du Mickey. On a aussi le parquet et un plancher. Voilà. Et ça n'aura pas besoin pour ce numéro. On a juste besoin de cet autocollant. C'est tout. Et donc voilà pour ça. Et ensuite, on a également reçu donc deux petites pièces. Donc ça, c'est les Aristochats. Donc on a le tabouret du piano et la statue de chat. Franchement, le chat est bien fait. Est-ce qu'on peut le... Il est bien fait. Et le tabouret. Voilà. Il est bien fait aussi, c'est... Franchement, c'est de très bonne qualité. On a ça ici. Bien, pour ça, on va donc le montage. On va donc, comme je vous le disais, on va mettre placer l'autocollant sur le bord. D'accord, comme là. Et ensuite, le plus intéressant, dans ce numéro, on va mettre enfin le plancher de chez Mickey. Ensuite, donc ça sera fait. Et ensuite, on va mettre donc le premier soubassement ici. Et il demande aussi mettre le deuxième. Le deuxième pour ici, moi je ne l'ai pas encore vu que j'ai pas le 11, donc je ne l'ai pas. Je ferai une vidéo dès que je vais le recevoir. Et ensuite, on la partie finale. Voilà, alors moi je pense, je suis pas sûr à 100% que ces deux planches là, à celui-ci en tout cas, on va commencer l'appartement de la Reine des Neiges. Que j'ai vu une petite photo là, je crois que c'est là-dessus. Voilà, vous pouvez pas voir, c'est tout petit. Juste ici, vous voyez, c'est la même couleur du plancher qu'on a reçu. Donc je pense que là, ça va être, on va entamer l'appartement de la Reine des Neiges peut-être à partir de la prochaine, peut-être. Et en fait, l'autre morceau du le plancher, soit je ne sais pas de d'où il va, et je pense qu'il va séparer en fait les deux appartements. Je pense, après, je me trompe peut-être. C'est pour ça qu'on peut pas les mettre maintenant. Allez, fini de discuter. Hop, le montage. Hop. Et ensuite, dès qu'il sera fait, je vais essayer de filmer ça, de vous montrer en gros plan, dès que sera terminé, donc en fin vidéo. Allez, on va prendre donc cet autocollant. Ça et on va le mettre donc ici, on va le placer déjà. Alors, le placer donc sur les trous là, comme ça. Regardez bien s'il est bien mesuré, impeccable. On enlève. Ça ici,
délicatement, vous avez le temps. Pas ça dépasse parce que sinon. Voilà. Et bien, non. Voilà. Ouais, pour ça. Ensuite, on va prendre le plancher, le parquet. On va l'installer comme ça. On va tester déjà voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, impeccable. Pas mal du tout. Ça rend bien. Franchement, c'est du beau boulot. Achète. Alors ensuite, on va mettre donc évidemment de la colle là. Il est où? La colle. Allez. On va mettre ça. Alors, excusez-moi de prendre vous prenez le carton, vous savez où se trouvait le plancher pour. Bon voilà, vous prenez un petit pour des cartons, vous le déchirez en avoir comment, aucune importance. Vous pliez comme ça pour mettre la peinture pour étaler un peu partout. Allez. C'est largement c'est. C'est n'ayez pas de l'en remettre.
Moi, ça colle à rien. Sur le bureau, je vais nettoyer après. Il y a des enlevés en bord. Voilà, ça devrait aller. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, on va coller tout ça. On retourne. Hop, si vous avez mis le tête sur le plancher, c'est pas grave. Je vais nettoyer dès qu'il sera posé. Allez, on installe ça. Hop. Vous appuyez. Après, si vous pouvez mettre quelque chose de lourd dessus, attention pas à ce qu'il y a des parquets non plus. Voilà donc le travail. Puis bien ici. Alors moi j'en ai mis aussi un peu sur le bord ici. Bon, j'ai pas fait attention, mais bon, ça c'est pas grave, après vous pouvez le laver aussi bien. Voilà, ça soulève, c'est pas grave. Ensuite, si ça déborde, là, vous savez quoi faire. Vous prenez un coton-tige. Hop. Et essuie tout le tour. Donc ça s'enlève, non, c'est normal, il faut mettre quelque chose d'assez lourd dessus. Moi je mettrai plein de DVD. Putain, ça fera l'affaire. Voilà, ensuite pas rester coulé ça. Alors ensuite on va mettre, il est où? Et là. Dès que c'est difficile là. Quoi? Oui, je vous mets des jeux, mais on va mettre ce parquet ici. Mais ce parquet n'importe quoi. Ce soubissement ici. Juste ici là. Mais vu que le parquet, il faut le temps qu'il sèche, donc je ne pourrai pas filmer correctement, mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, hein, au gros plan, parce que là je tiens pendant plusieurs minutes pour que ça tienne, et je vais vous montrer déjà comment faire pour poser. Vous posez simplement le subissement ici, le petit ici, et dès que vous avez reçu le numéro 11, vous le mettez à côté. Moi je ne l'ai pas, attends, je ne peux pas le poser, mais vous le montez donc à côté. Et puis ce sera fini, ce numéro 13. Donc voilà pour ce numéro. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vais rester comme ça pendant plusieurs heures, plusieurs minutes plutôt. Merci de tout beaucoup d'avoir suivi.
À très vite pour une nouvelle vidéo, et ce sera le récap de la mise au coupé, sûrement. Puis la prochaine, la Bugatti. Merci d'avoir suivi et à très vite. Salut!